Bonjour à toutes et à tous, à l'équipe Jésus est mon guide, Radio Arc-en-Ciel, et tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux, c'est Edwige avec vous. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 16 mars 2024, quatrième semaine du temps de carême. Alors aujourd'hui, nous fêtons le bienheureux Torello de Poppy. Après une jeunesse dissolue, il se repentit et se fit moine et ermite à l'abbaye de Vallombrosa en Toscane. Et il expia ses péchés par le jeûne et la prière. Je souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui fêtent aujourd'hui. Seigneur, nous t'en prions. Dirige nos cœurs par l'action de ta miséricorde, car sans toi, il nous est impossible de te plaire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Esprit Saint, aide-nous sur ce chemin de carême à avancer dans la prière, à nous convertir nos cœurs, à pardonner les uns les autres comme Jésus nous pardonne. Aide-nous dans nos actes pour toutes les personnes plus proches de nous ou qui ont besoin de nous et aussi pour les malades, que nous soyons là pour eux, pour les visites et dans leurs déplacements. Guide-nous, guide nos pas, que nous te louons et que tu es là dans notre vie de tous les jours pour nous aider. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. L'étude du livre du prophète Jérémie, chapitre 11, versets 18 à 20. Seigneur, tu m'as fait savoir et maintenant je sais. Tu m'as fait voir leur manœuvre. Moi, j'étais comme un agneau docile qu'on emmène à l'abattoir. Et je ne savais pas qu'ils montaient un complot contre moi. Ils disaient, coupons l'arbre à la racine, retranchons-le de la terre des vivants, afin qu'on oublie jusqu'à son nom. Seigneur de l'univers, toi qui juges avec justice, qui scrutes les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est toi que j'ai remis ma cause. Parole du Seigneur. Jérémie est persécuté sans cesse. Et quand nous lisons ici dans ce chapitre, nous constatons la conversion du peuple n'y était pas et ne pouvait être profonde. C'est pour cela qu'il s'adresse à Dieu par ces mots. Il met tout son espoir en Dieu, car Dieu est un Dieu d'amour et de miséricorde. Jérémie savait que pour être fidèle à Dieu, il faut avoir été touché
et transformés par lui. Pour nous aujourd'hui, ce texte est d'actualité dans nos vies. Tout comme Jérémie, adressons nos prières à Dieu pour toutes les formes de persécution qu'on rencontre, mais également si nous en sommes nous aussi persécuteurs, sans vraiment le savoir dans nos gestes, dans nos mots, nos regards, etc. Dieu d'amour vient délivrer nos cœurs. Rends-nous semblables au cœur de Jésus. Amen. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. On me poursuit. Sauve-moi, délivre-moi. Sinon, ils vont m'égorger, tous ces fauves, me déchirer, sans que personne me délivre. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. Juge-moi, Seigneur, sur ma justice. Mon innocence parle pour moi. Mets fin à la rage des impies. Affermis le juste. Toi qui scrutes les cœurs et les reins, Dieu le juste. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. J'aurai mon bouclier auprès de Dieu, le sauveur des cœurs droits. Dieu juge avec justice, je chanterai le nom du Seigneur, le Très-Haut. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. Je vous retrouve le mois prochain et je vous souhaite à tous une très belle journée. Que Dieu d'amour vous bénisse et vous protège. Et on va se quitter sur le chant « Vienne ta grâce ». Que ton amour a désiré.
dans la foi je ne tremble pas, car Jésus ma vertu c'est toi. Vienne ta grâce en mon misère, et dans la grandeur de ton nom, viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison. Vienne l'Esprit qui nous libère, et dans la beauté de ton nom, et dans le cœur de notre Père, l'amour infini du pardon. Parmi nous il a demeuré, il vit en nous et nous éclaire, sa grâce en nous s'est déversée, nos yeux verront ce que ton cœur à chacun de nous veut donner. Par l'Esprit de notre Père, en nous Jésus vienne habiter. Vienne ta grâce en nos misères, et dans la grandeur de ton nom, viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison. Vienne l'Esprit qui nous libère.